Salut! Non, aujourd'hui c'est moi. Salut, moi c'est Maxime. J'ai un super quad, mais il va pas très vite, en plus il est en panne. Donc aujourd'hui on va vous montrer comment le réparer et le faire aller plus vite. Mon quad il a deux vitesses. Et quand je suis en première et que j'appuie, il n'y a rien qui se passe. Quand je suis en deuxième et que j'appuie, il n'y a qu'une roue qui tourne. Quand je suis en première, la batterie, l'électricité qui vient de la batterie, ça va dans une roue, puis après dans l'autre. Et quand c'est en deuxième, ça va dans les deux roues en même temps. Donc là, on peut supposer qu'il y a un moteur qui ne marche plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le moteur de la roue qui ne tourne pas. On a démonté la roue avec une clé 13 et le moteur il est juste là. Et avant de remonter, on regarde bien si c'était bien ça la panne et que celui-là il marche. Et ça marche. Tiens, avec deux vis qu'il faut enlever pour le remplacer. Avant de tout remonter, il faut vérifier que la roue tourne dans le bon sens et que le moteur n'est pas branché à l'envers. C'est dans le bon sens. Bon, maintenant on va le faire aller plus vite. La batterie d'origine, elle avait 12 volts. Mais pour moi, ça n'allait pas assez vite. Du coup, on a remplacé avec du 18 volts. Ça, c'est la batterie de perceuse. Ça, c'est les adaptateurs qu'on a trouvés sur Internet. Et ça, c'est la prise de la batterie d'origine. Ça, c'est le fusible d'origine. Et vu qu'il ne suffisait pas, on a pris un fusible de 40 ampères qu'on a pris dans une voiture à mon papa. Pour modifier le fusible, il faut démonter le levier de vitesse et le boîtier électrique qui est derrière. On voit les vis quand on regarde au-dessus du quad. Et les batteries, on a plein de place sous la selle pour les mettre. 18 volts, c'est bien parce qu'on n'a pas besoin de changer la pédale d'accélérateur et ça prend pas de risque de casser le quad. Aujourd'hui, on va vous montrer comment le réparer et aller le faire plus vite. J'ai perdu ce que tu m'as dit. On a démonté la roue avec Et avant de tout remonter, on vérifie bien que... Avant de tout remonter, il faut... Bon, maintenant on va aller le... On le refait.